Et salut les gens, c'est JT et aujourd'hui on se retrouve pour la saison. Oui, désolé, mon micro bug des fois. Il s'est un petit peu vieux, vous savez. Putain, on a 235 heures de jeu quand même. Bon, bref, aujourd'hui on se retrouve sur Undertale. Alors, je refais la fin neutre, il m'est arrivé plein de trucs. Notamment, j'ai failli voir la porte de Gaster, je l'ai eu du premier coup, mais finalement, je n'ai pas pu y aller dedans. Du coup, je suis un peu dégoûté. Voilà, la fameuse grille d'or qui est super rare. J'ai reculé sans faire exprès et tout ça. Il y a eu des dialogues qui ont échangé dans ma deuxième run note, genre Sensei Papyrus, ils avaient eu l'impression de m'avoir déjà vu quelque part. T'as Alphys, à un moment donné, parlait de timeline parallèle pendant le premier quiz de Metazon. Et Sans a eu un mauvais jugement parce que j'ai dû tuer des monstres et tout. Mais voilà, parce que j'avais un pote qui m'avait dit qu'on pouvait pas faire la fin trop pacifiste si Flowin n'apparaissait pas en début de jeu, alors qu'en fait je me suis renseigné sur le wiki et en fait c'était totalement faux. Mais du coup je l'ai quand même refaite, la fin pacifiste et tout ça, et je vous propose un petit reset. On ne va pas approuver ce nom. Yes. Ah mais du coup je peux pas modifier mon nom. Putain, je voulais mettre Gandhi comme nom. Tu sais, Gandhi, pacifisme, tout ça. Bon, bref. Du coup, le jeu a été reset, voilà. Et on va recroiser Flowin, normalement. Non, il apparaît pas. Mais j'ai refait la neutrale. Hello. Tu vas bien? Attends, bonjour. Comment vas-tu? Tu vas être tellement confus. Oh, ne sois pas effrayé, mon enfant. Je suis Toriel. Je m'occupe des ruines. Vous voyez, c'est bleu blanc rouge, la France. Je regarde chaque jour si un humain est tombé ici. T'es le premier humain qui vient depuis très longtemps. Je vais faire de mon mieux pour te protéger pendant tout le temps que tu passeras. Viens, je vais te grider dans les catacombes, mais ça s'appelle les ruines en fait. Bon, on connaît un petit peu, elle va faire les puzzles. On va faire la nouvelle sauvegarde. Voilà. On peut pas modifier le nom de notre humain, c'est dommage. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Je vais t'expliquer un peu comment on opère dans les ruines. Voilà. Et ça forme le logo des monstres, d'ailleurs, qu'on voit sur ton t-shirt. Les ruines sont remplies de puzzles. Des anciennes fusions avec des portes à clé. Ouais, c'est bizarre. Tu dois les passer pour... changer de salle, adapte-toi à ces énigmes, d'accord. Pour faire des progrès, tu devras activer plusieurs leviers. Ne t'inquiète pas, j'ai indiqué les leviers que tu devais activer. Bon, il dit quoi là? Reste sur le chemin. Là, hop. Je me rappelle du début de Undertale Yellow, genre t'activais ça, mais en fait, oui, j'ai vu la fanmade un peu Undertale Yellow et tout. Genre t'activais ça, sauf qu'en fait, non, tu dois mettre l'autre level. Et en fait, tu tombais dans des ruines, c'était les Dark Ruins, mais ça, c'est que des fanmade après, donc voilà. Mais splendide, je suis fier de toi. Allons à la prochaine salle. Wouhou! En tant qu'humain qui vit dans l'underground, des monstres vont t'attaquer. Tu devras te préparer pour ce genre de situation. Mais le procès est simple. Quand tu rencontres un monstre, tu es dans un fight. Et quand tu es dans un fight, il faut que tu fasses une conversation amicale, que tu spares. Bref. Et il faut que tu restes là pendant que je résous le conflit. Essaie de parler à ce mannequin. Bien évidemment, il va pas nous aider. Par contre, vu qu'on voit le fantôme de Shara dans Azrion Siren, vous pensez qu'on va avoir le fantôme d'Azriel? Ça serait très intéressant. Je vais parler. Toriel semble content de moi. Vous savez ce que ça me rappelle? C'est ça, le mat demi. Ouais, t'inquiète, on peut le résoudre. Et là. Et là, bien évidemment, c'est un peu obligé. Toriel le regarde bizarre. Et on va faire tout le jeu avec 20 PV. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ah, elle va me tenir à la main, c'est trop mignon cette scène.
Bon, on se rappelle un peu de tout ça. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'on se rappelle. C'est tout mignon. Oh. Du coup, normalement, on devrait finir tout ça en épisode. Dans un épisode. Les puzzles semblent très dangereux pour toi pour l'instant. T'as fait un excellent boulot, mon enfant. Je dois faire quelque chose. On sait ce qu'elle va faire. Faudrait que tu ailles. Faudrait que tu ailles par toi-même. Et. Excuse-moi pour ça. Et je crois que si on se retourne, on va Floy qui nous stalk aussi. Bon, là, on sait, elle va se cacher derrière un pilier et tout. La musique, elle est super stressante. Pourquoi cette musique stressante? Et là, boum! Ouais. Merci, oui. Tester ton indépendance. Ok, elle va nous donner son téléphone, voilà. Donc juste, là, au passage, je discute un peu avec vous. Je pense que dans cette fin, Asgore va mourir, parce que, en gros, pour vous expliquer, je suis allé voir la fin neutrale chez Farod Games, et lui aspire Floy, et Floy a dit qu'il lui offrerait son happy ending, et qu'il spairerait Asgore et il le tuerait pas. Sauf que nous, on n'a pas spare Floy. Et du coup, Asgore va mourir dans 3 runs, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui aimaient bien Asgore et tout ça. Voilà, j'espère que ça ne... Je pense pas que ça ruinera non plus la troupe pacifiste. Mais là, voilà, pourquoi je retourne là? Parce que vous allez voir un petit easter egg. Même si le chemin est super long. Voilà, on a vu, vous avez vu quelques secondes. J'en ai déjà parlé dans le let's play, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Vous savez qui c'est. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, je peux avancer. Des fois que je souffle un peu mon micro pour voir si ça marche. Donc là, hop là, ring. Oh, il y a un Froggit. Ah oui, mais c'est le Froggit qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai, parce que j'avais vu. Par exemple, les gardes de Snowdin, quand on les spare, ils sont dans la taverne et tout, de Gridbiz. Salut, c'est Touriel. T'as pas quitté la salle, hein. Il y a des puzzles et j'ai pas le temps de t'expliquer. Ce serait dangereux de les résoudre tout seul. Sois bon, ok. Et là, ribbit, ribbit. Excuse-moi, humain. J'ai des services à te demander si tu bats des monstres. Si tu actes certains monstres ou que tu en factes certains, tu peux les vaincre. Mais t'as pas besoin de les tuer. Si un monstre ne te combat pas, s'il te plaît, utilise ton bouton merci. Là, il y a le Monster Candy, alors faudra vraiment qu'on prenne beaucoup. Donc voilà. Take one. Donc là, je me sens comme un connard. Voilà. Écoutez. On prend les Monster Candy parce que... Ouais, c'est bon, ça s'ouvre toujours le micro. Oh, un autre combat. Complimenté. Hop là. Voilà. On fait ça en pacifiste. Bon. Là, hop. On remonte. Salut, c'est Touriel. Pour aucune raison particulière, qu'est-ce que tu préfères? Le cinnamon ou le Buster Scotch? Attends, ne me les dis pas. C'est le cinnamon. Et là, elle s'en rappelle des premiers choix qu'on avait fait. On va dire ouais. Hé hé, j'avais un pressentiment. Parce que on avait répondu ça dans la précédente partie. Quand les humains tombent ici, étrangement, j'ai l'impression de les avoir déjà connus. Les timelines. Heureusement, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai... eu l'impression... Enfin, non, elle disait d'abord qu'elle a eu l'impression de jamais les avoir connus, mais là, elle a l'impression qu'on est un vieil ami à elle. Voilà. Et ça, c'est lié au fait qu'on a reset le jeu et que les personnages se souviennent du coup de ce qu'on a fait. Donc là, j'ai reset deux fois, mais une fois, vous avez vu, c'était la neutrale qu'on avait faite. Et après, il y a la neutrale que je ne vous ai pas montrée.
où j'avais fait les mêmes choix. Oh. Salut, c'est Auriel. Ne me dis pas que tu n'aimes pas la butterscotch. Je sais ce que c'est ta préférence, mais... Ouais. Je comprends. Merci d'être patient. Ok, bon, ça, on connaît un peu. Attends. Ah. Merde. Bon, ça va. C'était l'attaque la plus facile à esquiver, mais on s'est quand même pris dans la gueule. Oh putain, ça c'était chiant. C'était quoi le chemin exact? Oh putain. Et on avait presque le chemin exact. Wimsen, déjà je peux le faire. Guide, on va le complimenter. Hop là, hop là, hop là. Bon, on va devoir faire plus attention au dialogue dans la prochaine fois. Hop là. Ouais, donc c'est pas vraiment par là. Donc c'est pas grave. Je crois qu'il y a un moyen de plus faire voir dans les trous. Voilà. Ça va super vite de les spare, tout comme ça va super vite de les tuer. Mais nous, on va spare parce qu'on est en pacifiste. Donc, hop. Putain! Hop. Là, c'est trop marrant. Parce que le signe, le panneau, il disait, rappelez-vous, qu'on ne devait pas aller dans les feuilles. C'est bon! Ah, ça, vous vous en rappelez peut-être. Là, on faisait ça. Attends. Oh, c'est trop facile, ça. Ouais, ça c'était la pire qui parlait. Ouais, tu veux que je bouge plus? Comme ça? Non! C'était la mauvaise direction. Ok, je pense que je l'ai. Et là, voilà. Ah, tu me demandes de rester ici? Tu me demandes un vrai travail. Donc voilà. On se rappelle un peu de tout ça. On se rappelle du fromage. Donc, un jour, elle quittera son trou, là. Ça, on se rappelle un peu. Je sais pas pourquoi il y a des fromages, en fait. Oh, Napstablook! Est-ce qu'ils sont partis? Ça, je me demande qu'est-ce qu'il dit. Quand il dit « est-ce qu'ils sont partis ?» De qui il parle? Ah oui, c'est vrai qu'il faut le bouger de force, du coup. Parce que je me suis dit peut-être qu'en ne le mouvant pas de force, elle flirtait. I just swag you down. Voilà. On lui fait un petit sourire. Hey. Il est tout triste tout le temps. Enfin, on sait pourquoi il est tout triste maintenant à cause de Métatone et tout ça. A little joke, ça le fait rire, ça le fait sourire. Oh, le métatone. Shearing seems to have improved Napsablook mood again. Oh! Il me montrait quelque chose. Laisse-moi essayer. Dapper Blook. Do you like it? Ah, le chapeau qui s'est mis. Donc là, on va lui faire un compliment. Un cruel look? What?
Donc treat c'est pas un compliment. Mince. Vers quoi? Il prétend dormir. Mais pourquoi il dit pourquoi il espère qu'elles ne sont pas là? De qui il parle quand il dit j'espère qu'elles ne sont pas là? Ça par contre. Je vis mieux, merci. Go ahead, do it. Si je me mets là, en fait, je suis sécurisé. Ah non, non. Son chier. Oh, on est mort. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait la voix du game over c'est Asgore. Genre Asgore il nous parle comme ça. Avec la voix hyper grave et tout. Bon, on sait. Putain, mais c'est super dur contre Napsalbook. Et chier. Donc d'abord faut le chier. Attends, on va faire attention au texte. On va le concentrer un peu plus. A little joke. En fait faut spam le chier. Faut spammer le chier en fait. Donc là il va attendre notre réponse. Et là je vais le flirter. Oh non! Je viens souvent dans les ruines. C'était what the fuck comme interruption de combat. Je viens souvent dans les ruines parce qu'il n'y a personne autour. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de gentil. Oh, je me plains encore. Je vais partir de là. Voilà. Petit combat contre Napstablook, écoutez. Ah, il y a la boulangerie de ma fête aussi. Je crois qu'il se passe quelque chose si on lui achète des trucs. Putain, c'est vrai. Du coup, la Spider Patisserie faudra la garder pour Muffets, me semble. Ouais, là je me rappelle. Donc là, il n'y a que deux grenouilles maintenant. Avant, il y en avait trois dans les premiers trucs. Picon. Hop, alors lui, c'est le monstre, ou je sais pas comment le spare. Donc si je fais donc Picon. Enfin, quelqu'un qui n'a pas Picon. Donc on appelle Picon. Bref, je n'ai pas lavé, ok. I was not expecting to have company to soon, so probably I'm not talking anymore. Ok. Ouais, ça s'appelle gérer un inventaire, je sais. Il y a juste un bouton. Je crois que si on va là en dessous, il y a mettre Napstablook en fait. Ouais, voyez, il est là, Napstablook. Donc on va lui dire bonjour. Il y a des végétoïdes mais on va pas les déranger. En génocide par contre faut les déranger justement. Coucou Napstablook.
No, I can get up. Gone without me. Wait, cost can fly, can they? Mais les fantômes ne peuvent pas voler. Oh, il a disparu. Oh, le don de piconner. Donc, faut faire don de piconne. Ok, donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs boutons. Je crois que c'est un bouton caché à voir. Talk. Plant Skull Talk, demi. Donc les plantes ne peuvent pas parler, imbécile. Mais pourtant, je viens de parler. Fresh Morning Test. Donc il nous balance des fruits, voilà. Donc si je fais dîner. Donc eux faut faire dîner, faut dîner avec eux. Donc eux. Donc ok. Et là c'est pas des boutons cachés. Voilà. Là c'est des boutons cachés. Donc lui, donc piconne. Hop là. Pour l'instant on n'a pas utilisé le bouton fight. Je me suis dit que ça serait dur de pas utiliser le bouton fight, mais en vrai, non, c'est pas si dur que ça. Puisqu'un red seed presse the red switch. Ok. Donc déjà, lui on le perd. Hop là. Et hop là. Donc. Ah faux. Press the green switch. Et c'est là où en fait tu sais pas lequel c'est parce que les trucs sont cachés. Végétoïde, faut lui demander un dîner. Et the swarm. Hop. Et the magic in the air. Allez, allez, allez. Hop. Hop là. Par là, c'est là où il y a le toy knife. Mais on va pas le prendre. Parce qu'on est un pacifiste. Et que ça ne servira à rien. Oh mon dieu. Ça a pris plus de temps que je le pensais. Elle nous appelle. Oh mais... Comment t'es arrivé ici, mon enfant? Es-tu blessé? Je vais te soigner. J'aurais pas dû te laisser ici trop longtemps. C'était irresponsable de essayer de te faire une surprise comme celle-là. Je pense que je ne peux pas vous le cacher, te le cacher aussi longtemps. Viens, petit. Ou viens, mon enfant. Hop là, donc on connaît l'ancienne maison, la nouvelle maison de Toriel. On sait où se trouvait l'ancienne. Surprise! Butterscotch Shimon Pie! Une autre surprise pour nous. Et on sait ce que c'est aussi. C'est ça, c'est là. Voici ta chambre. Elle nous caresse, c'est trop chou. Oh mon dieu! Quelque chose brûle! Fais comme chez toi! Je crois. Et là, si on va s'endormir. Attendez. Si on s'endort. Hop là. On a ça. Et si on essaie de se rendormir? Voilà, Toriel Diary. Why did the skeleton want a friend? Because she feel bonny. Donc ça c'est les blagues de merde, mais on sait à qui c'est lié toutes ces blagues. Et c'est parti, on va essayer de faire le Toriel dans le premier épisode. Et on ira rencontrer Papyrus après. Donc voilà.
chanter. Hop là. Ok, de la fourrure blanche. Et là. Oh, tu es déjà réveillé, je vois. Je suis content de voir à quel point j'ai quelqu'un pour m'accompagner. Il y a beaucoup de vieux bouquins que je veux te montrer. Je vais aussi te montrer mon spot favori pour chasser des insectes. Je vais aussi préparer un curriculum pour un CV pour ton éducation. Ça devrait être une surprise pour toi. Mais j'ai toujours voulu être professeur. Mais t'as été reine. Actuellement, je pense que c'est peut-être pas quelque chose de très surprenant. Mais je suis content que tu vives avec moi. Oh, tu voulais quelque chose ? Ouais, mais c'est ta maison maintenant. Tu voudrais que entendre plus sur le livre que je lis, ça s'appelle 72 façons d'utiliser des escargots. Qu'est-ce que t'en penses? Comment on quitte les ruines? Tu veux une anecdote excitante sur les escargots? Tu savais que les escargots pouvaient parfois, quand ils sont adultes, ils ont un truc avec leur système digestif. Ouais, mais on quitte comment les ruines? J'ai quelque chose à faire. Reste ici. On est un peu dissident, nous. Enfin, on n'est pas vraiment dissident vu qu'on n'a pas de xylophone. Mais on est quand même assez dissident comme gars. Tu voudrais savoir comment retourner à ta maison, n'est-ce pas? Par là, c'est la fin des ruines. Il n'y a qu'une seule moyen de quitter le reste de l'underground. Je vais la détruire. Personne ne sera capable de quitter. Maintenant, sois un bon enfant et reste et monte en haut. Tous les humains qui tombent ont rencontré la même destinée. Je l'ai revu encore et encore. Ils viennent. Ils quittent. Ils meurent. Espèce d'enfant naïf, si tu quittes les ruines, Asgore te tuera. Je suis la seule capable de te protéger. Tu comprends? Va dans ta chambre. N'essaie pas de m'arrêter. C'est ton alerte finale. Tu veux quitter, tu veux maintenant nous quitter? Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une seule solution à cela. Fais tes preuves. Prouve-moi que tu es assez fort pour survivre. Et là... Et là, on va devoir spam le spare. Putain, je me suis pris une flamme. Putain, je me suis pris deux flammes. Pourtant, je me suis pris trois flammes. T'es violente, Toriel. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre la pacifiste et tout ça? Et je crois qu'en fait, des fois, elle fait pas vraiment exprès de nous toucher. Et qu'elle veut pas vraiment nous toucher et que c'est trop mignon. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Attaque ou pars! Non, Toriel, je n'attaquerai pas! Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que je peux être pacifiste et que dans ce monde, ce n'est pas être tué! Hop! Hop! Arrête! Hop, et hop, et hop. Arrête de me regarder comme ça. Non, Toriel. Pars. Putain, on n'arrive même plus à esquiver cette attaque alors que c'était l'attaque facile de Asgore. 3 petits points. Mais, non, Toriel. Mais je veux pas te tuer, tu comprends? Je veux pas te tuer.
Je sais que tu veux retourner à la maison, mais... Mais maintenant, retourne là-haut, s'il te plaît. Je te promets que je vais bien m'occuper de toi. Je sais que nous n'avons pas de temps, mais on peut avoir une bonne vie ici. Pourquoi tu rends toutes les choses difficiles? S'il te plaît. Retourne en haut. Haha. Pathétique, n'est-ce pas? Je ne peux même pas sauver un petit enfant. Trois petits points. Non, je comprends. Tu serais juste pas vraiment très joyeux ici. Les ruines sont vraiment très petites une fois qu'on les connaît. Ça serait pas bien pour toi de grandir dans un endroit comme ça. Ma solitude, mes expectations, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je vais les mettre de côté. Si tu veux vraiment quitter les ruines, je ne vais pas t'en empêcher. Mais quand tu partiras, s'il te plaît, ne reviens jamais. J'espère que tu comprendras. Oh, un petit câlin. Au revoir, mon enfant. Et je crois que si on retourne au début du jeu, elle arrose les plantes ou un truc comme ça. J'ai cru voir ça quelque part. En tout cas, on va sauvegarder dans les ruines. Je pense que je vous montrerai peut-être cette Easter Egg dans le prochain épisode. Mais je vais aller sauvegarder dans les ruines en tout cas, parce que vous savez qu'après il y a les dialogues avec Lapyrus et tout ça. Donc je vous montrerai ça et on refera peut-être du coup les ruines. Non, je vais vous montrer ça maintenant même. Ça prolongera un peu l'épisode, mais du coup... Là on va déjà sauvegarder nos données. Comme ça on pourra s'arrêter là. Et je redémarrerai de là. Donc pas besoin de se retaper toutes les ruines. Mais du coup on va s'arrêter là où tout a commencé. Lol. Donc hop. 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 Et hop là. Et je crois que c'était là. Ouais, j'aurais pu speedrunner plus vite en allant vers un faux levier qui était pas vraiment le bon, mais c'est pas grave. Là on va là. Donc là on connaît cette salle. Pourquoi il manque la troisième grenouille, je l'ai tué dans la précédente partie ou pas? Bon, c'est pas grave. Des fois t'as des mobs qui se rajoutent et des fois t'as des mobs qui se perdent. On va pas chipoter sur ça. Ça servait à rien cette pierre. Oh! Hop hop. Oui oui. Bon, ça c'est les monstres les plus simples à se perdre du jeu. Oui, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on l'espère. Attends. Frogit, complimenté. Là, je déplie. Hop là. Merci le trou. C'était justement là que je voulais aller. Hop là. Hop là, on se complimente, bon c'est parti, tu nous rends ton attaque, blablabla. Et là, on peut enfin le spell, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, faut traverser là. Hop. Hop. C'est super long à aller voir ce Mister Egg. Voilà. Là, on a carrément la première musique des ruines. Voilà. Donc. Ouais, bon, normalement, là, voilà, il y a des chemins. De toute façon, on peut pas aller dans les pics. Qu'est-ce qu'ils disent déjà ici? Ouais, bon, ça, on s'en fiche un peu, en fait. Hop, hop, et hop. Donc là, il y a le mannequin. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec? Non. Est-ce que c'est le mat demi? C'est ce que je me demande. Si le mat demi est déjà là en début de jeu et qu'il nous observe et qu'il sait tout. Ça se trouve, ouais. Bref, donc là, c'est l'entrée des ruines. Et j'ai vu un easter egg, je suis pas sûr que ça existe. Ah, c'est... Non, c'est pas le symbole des monstres.
Presque. Mais là, quand on va au tout début du jeu, parce qu'après on peut plus retourner dans les ruines. Et voilà, c'est ce que je disais, Toriel elle est là, et si on parle à Toriel, ne t'inquiète pas pour moi. Quelqu'un prendra soin de ses fleurs. Et voilà. On va s'arrêter là, devant Toriel, devant là où on a commencé. Voilà, salut Toriel. On va dire un peu adieu à Toriel. La prochaine fois je resetterai et je serai du coup à l'endroit après le combat. Et on ira rentrer Sensei Papyrus. Donc moi, je vous laisse ici pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi la saison 2 de Undertale en pacifiste, du coup. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, un pouce en l'air et tout ça. Je vais bosser, bien évidemment, rebosser sur la traduction, du coup. Donc ça va me prendre du temps. Ça va peut-être mettre un mois, même si j'annonçais que je tournais ça, bah, à l'heure actuelle, on est le début des vacances. Mais je pense que quand cet épisode sortira, ça sera la fin des vacances. Mais du coup, voilà, dans un mois, normalement, on va essayer de faire une pastille qui va plus vite parce que maintenant on connaît le jeu. La génocide, par contre, ça va vraiment être long. Donc voilà, ça va vraiment être une longue période. Mais au moins la pacifiste, on va essayer de la finir. Merci vraiment de nous avoir suivis. C'était Jean Thibault et Touriel pour vous servir. Ciao!